Ah putain. La flore de la vallée. Des fois il y a trop de... Oh merde. Niveau 6 possible. Il y a trop de... De choses à lire pendant les scènes d'action. Donc ça c'est... Ça me pousse un peu à les zapper parce que ça freine l'action, c'est chiant. Allez go. Tu penses... quoi tu penses de God of War? J'hésite à me le prendre. What? Faut le prendre? Lara, je suis là. Et les hélicoptères nous ont pris pour cible. Une bulle papale. Un des meilleurs jeux de l'année. De son authenticité. Ça devait accompagner un document très important comme un décret d'excommunication. Un des meilleurs jeux de l'année, ça c'est sûr. Il faut que vous arriviez à attirer leur attention, de n'importe quelle façon. Pas de problème. Pas de problème. Je m'en charge. Je m'en charge. On a des couilles. Gameplay est top. L'histoire est top. Les conversations sont super bien. Même la VF est vraiment bien. Moi je les joue. À la limite, je préfère même la VF que la VO. Pour moi déjà ça c'est vraiment un truc assez gros. C'est vraiment une aventure quoi. C'est vraiment une super aventure à vivre. Après je conseille de jouer quand même un peu en difficile pour que l'aventure dure en fait, tout simplement. Pour que l'aventure puisse durer longtemps. Tellement c'est bien en fait. Ça tue. Mais ouais, faut pas hésiter, faut le prendre. Merde, il est mort. Oh, putain. Ils crèvent pas avec le feu, c'est con. Attaquer les trinitaires pour faire sortir l'hélicoptère. Pour faire sortir l'hélicoptère. D'accord. Je pourrais même catégoriser God of War comme un jeu qui peut faire vendre des consoles. C'est un peu comme les premiers Halo sur la Xbox. Tout le monde prenait la Xbox parce qu'il y avait les Halo. Et God of War peut être l'excuse pour acheter une PS4. Complètement. Donc ça vaut le coup. Qui les méchants? C'est eux. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, il y a un truc, explosif. Pourquoi faire dans la dentelle quand on peut faire tout simplement tout péter? Évidemment.
Enfoiré. Putain, hé oh. Clara. T'es censé pour être tout public. Ah, faut pas insulter. Ça va pas la tête. Pourquoi tu veux pas tirer? Ah oui, non, mais c'est un. C'est un allié. Oh la vache. Après, c'est pas du tout comme les anciens, oui, faut vraiment... Si on est fan des anciens, on va aimer le personnage, l'histoire, mais le gameplay est complètement différent. Donc ça, il faut voir si on aime, en fait. Faut vraiment voir si on aime. Utilisation de danger impossible d'utiliser cet objet lorsque les ennemis sont à proximité. J'ai tué tout le monde... Ok, d'accord, bah merde. Jacob, le combat tourne à notre avantage. Bon travail. Ces hélicos seront bientôt à notre portée. Les voilà. On a réussi. Lara, tu es là? La tour grouille de Trinitaire. On est piégé en dessous dans les catacombes. C'est quoi ça? Tenez bon, j'arrive tout de suite. Ah. Elias et moi. Couper les fils. Couper les 6. Ah, fait chier. J'en ai sûrement loupé. Ah, qu'est-ce que. C'est MGS4 qui m'avait fait acheter une PS3 dans le temps. Bah oui, voilà, par exemple. Ça, MGS4, oui, est un jeu qui peut faire acheter des consoles. À l'époque, en tout cas. Plus maintenant. MGS4. Alors, je sais pas. Ah, merde. Uno Cult. Une carte mise à jour. C'est quoi ce bruit? C'est quoi le rotor du... Oh merde. Entretuez-vous! C'est Baba Yaga l'ordonne. Résistante, hein? J'ai l'impression d'être dans Terminator 2. Cela fait ma... Avec le T-1000 à la fin. Ah, toi. Ok. Ah, d'accord. T'en fous, apparemment. Yeah, tiens, Ah merde, il est mort déjà. Dans ta jambe. Je la trouve un peu overpower la Lara Croft en fait. Une fois qu'on débloque quand même des habilités, enfin certaines habilités, tu défonces tout le monde, mais tellement facilement. Toutes les munitions qu'il me donne, quoi, mais c'est abusé. J'en ai pas besoin. Ici, équipe C.
On se dirige vers des catacombes. On va avoir besoin de renforts. Bien reçu, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non, l'Atlas est peut-être caché là. Ah, il a raison, on peut pas prendre ce risque. Mais ils vont pas nous faciliter la tâche. Allez, ouvrons cette trappe. On entrera quand les renforts seront arrivés. Vas-y, ouvre. Oh merde. Je prends ma position. Ah, il est mort. Tête. Je vous attends, les gars. Allez. J'espère qu'il n'y en a pas un qui me fait le tour sur la droite, ça serait chiant. Non, ça va. Tu veux venir du con? Vas-y. Ça l'a fait corps à corps? Merci. Hostile repéré! Oh non, 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 attends. Attends, y'a plein de cadavres. Y'a plein de ressources à récupérer, j'attends. Merde. Ils sont partis. Putain. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. Ouh, elle est pas contente, elle. Lara est en train de se taper mon père, quoi? En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoité. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Mais il en a déjà raconté pas mal quand même. Pour un mec qui est censé garder la source de vie depuis la nuit des temps. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Ah, elle aussi. Tu sais où se trouve l'Atlas? À la cathédrale. Dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais y trouver? La mort. Il y a une autre armée. Les immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais.
prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Qu'est-ce que c'est ? Kezako. Bobine de fil de fer. Bobine de fil de fer. Trouver un chemin sans risque, retourner au village de rescapé. Okay. Par contre. Bobine de fil de fer, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça sert à quoi ? Je sais. Ça sert à quoi ? Pistolet grappin. En l'air, appuyez sur X pour déployer le pistolet grappin. Comment t'as un pistolet grappin, je comprends pas. What? Merde. J'arrive pas à voir ce qu'elle balance, en fait. Ça va trop vite. Ok. Ouais. C'est une corde magique qui s'accroche au décor, voilà. Grappin et corne. Ah non, mais elle sac. C'est ses crochets, c'est ça? C'est ses piolets en fait. Lancez votre pistolet grappin pendant le saut. Pourquoi on l'appelle pistolet grappin? Ça me tracasse ça. Ça me tracasse. Passe. C'est juste les piolets avec une corde. C'est tout. Hop là, il y a quelque chose là-bas. Non. Permet de s'accrocher aux parois rocheuses. Ok, cool. Les trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Composant du fusil à verrou. C'est con, je n'ai jamais l'utilisé, j'aime pas les fusils à verrou. Tant de violence et de mort. Le peuple de Jacob a traversé tellement d'épreuves, et pourtant, ils continuent à se battre. Ils sont liés par un serment prêté par leurs ancêtres. Un devoir hérité du passé. Mais tout ce que je vois, ce sont des gens qui veulent vivre en paix. Je pense qu'il est temps pour eux d'enterrer le passé. Si j'arrivais à trouver l'Atlas, il pourrait me conduire à la source divine. Je pourrais l'emporter loin d'ici, et il n'aurait plus à souffrir. Il pourrait partager le poids de la vérité avec le monde. Mais si tout ça ne mène à rien, je ne sais pas ce que je ferais. C'est bien de se trouver des excuses pour venir pour arriver à ses fins. C'est pas mal quand même de faire ça. Attends, merde, non. Là, il y a un truc. Voici l'exercice du jour. Ramenez-moi une créature à plumes. Ok. Ah. Ça a dû faire mal au ventre, ça. Je. Hop. Cache de survie, coffre fort.
Aujourd'hui. Ici. Yeah. Barre en métal, fils explosif sur des frais, barre en métal, ok. Pardon. Pistolet lourd, je suis sûr que j'ai dû passer des coffres, mais c'est pas grave. Attends, il y a toujours une cache. Ah là, putain, fais chier. Voilà. C'est qui ça en bas? Yo Robin. Bien, vous êtes vivante. On a emmené presque tous les blessés en lieu sûr, mais les envahisseurs sont revenus. Ils se sont emparés du haut village. Un groupe d'entre nous est en train d'organiser la résistance dans la vallée. Un coup de main ne serait pas de refus. Si vous repassez par le village, soyez prudente. Salutations. Salutations. Les soviétiques sont partis dans la prison. Je te prends la lampe. Ah non, je peux pas, putain. Bon, tiens. Je te la laisse. Ah, ça tue. Oh putain de merde. J'aime bien les faire s'entretuer. Alors. Coucou. C'est con que je me suis fait en fait ils m'ont vu quand je suis arrivé. Je suis sûr que j'aurais pu faire des trucs sympas. Merde.
mercenaires peuvent finir le boulot aussi. On est attendu à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu. Ok. Il m'a vu ou pas? Non, il est aveugle comme pas possible. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Merde. Oh, c'est pas grave. Il vient, s'il se retourne, on le défonce. Je sais pas s'il peut me voir par là. Par le dessous. Quelqu'un nous observe. Contact. Eh ouais. Ah, il est cool ce mec, il m'aide. On l'a perdu. Hop là. Tellement pratique cet arc de Baba Yaga, c'est abusé. Non, pas ça. Bon, tu arrêtes de gémir. C'est pas que ça me déplaît, mais... On a vraiment décimé le camp en fait. Sympa. On aurait pu faire ça silencieusement, mais bordel. Allez, sprint. Fusil déverrouillé. Vous avez... Ça marche avec des explosifs ? Ah, c'est du feu, ouais. Ah non, c'est une... Ça fait une bombe fumigène, en fait. Ah, on va voir là. Tudu tudu tudu.
quoi ce bruit? J'aime bien l'ambiance en tout cas. Hein. Avec la pluie, fait sombre. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout? C'est tout ce qu'il peut faire? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les Trinitaires les initient. Il va falloir être patient. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre? On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien assez tôt. Quoi? On subit des pertes. Ah merde. Ah ok. Bon bah hein. Entretuez-vous les mecs. Tête. Putain, trop bon. Yeah! Défonce-le! Prends ça. Où est-ce que tu te caches? Ok, c'est l'heure de récupérer les ressources. Je vais essayer de faire un peu plus discret la prochaine fois. Attends, on aurait pu passer par là et tout quoi, ça tue. Salut Goldo, ça va? Toujours pas mort dans The Long Dark? Où est-ce qu'on récupère ça? Salut Saphir! Ça va? Ah, t'as eu ton premier élan! Oh merde alors! Il paraît que tu peux avoir deux sacs. Donc si t'en vois un, fais un deuxième sac. Si t'en vois un deuxième.
par où on passe. Ah, ah. Ah oui, bah oui, puis elle l'avait montré en plus. Hop là. C'est quoi cette tombe hein? Et God of War, ça avance aussi. J'ai sous-estimé. T'attends l'édition collector pour le finir? Alors. Adrénaline, rester aux dégâts des ennemis pendant une courte période après une élimination d'attaque. Furtive réussie. Mais... maîtrise esquive et animation. Tue instantanément les ennemis en armure pendant une esquive contre-attaque. Laissez vos dégâts pendant une courte période après avoir bandé les blessures. Ça, c'est bien. Ça. Ouais, ce matin, ouais. Ça, c'est fait.